J'ai longtemps attendu cette journée. Les présages nous indiquent que cette bataille restera dans les mémoires pendant 100 ans. On racontera notre histoire aux enfants autour du feu. Et les guerriers invoqueront nos noms durant les siècles à venir. Salut tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Rome Total War 2. Donc, j'étais au dernier épisode, j'ai pris Tolosa. Donc vous voyez qu'il y a encore une armée de Wolves qui se balade. Et un de leurs seigneurs de guerre. Et j'ai aussi une armée de Carnut qui se balade là-haut, qui menace mes alliés. Donc j'ai envoyé une armée devant eux pour leur barrer la route, mais ça, comme ça je vais pouvoir attaquer directement leur ville, puisque ce sont mes prochaines cibles. Donc j'en étais au moment où il fallait passer le tour. Je sais pas si je vais plutôt. La Gaule est notre mère à tous. Non, je vais attendre encore. Et on va passer le tour. Alors, espérons que eux ils vont vite partir, comme ça je serai tranquille. Et je vais pouvoir me concentrer sur la Gaule, dans le nord de la Gaule. Et ensuite, à la fin, on attaquera Marsilia. Mais il faut que je renforce mon économie pour l'instant, c'est un peu chaud. Les Carnutes. Ah, je crois qu'ils sont en guerre contre Marsilia. Bon, vas-y, bon, tant mieux, comme ça ils vont s'affaiblir. Alors. Les Volsques, que font les Volsques? Ils attaquent ma ville. Je m'en doutais. Ah ouais, d'accord. Ouh, ça va être tendu là. Merde! Je l'avais pas vu, enfin si j'avais vu venir, mais je pensais pas qu'ils allaient directement attaquer. Comment ça, j'ai les renforts 94? Le truc, c'est qu'ils m'ont même pas. Ils m'assiègent pas en fait. Je comprends pas en fait. Ils peuvent pas m'assiéger. Ils peuvent m'assiéger normalement. Bon. Je vais sauvegarder. Si je perds la ville, tant pis, je la reprendrai. Avec mon autre armée. Ah, j'ai pas du tout ça. Je comprends pas en fait la bataille, comment va se dérouler. Je suis dans une ville retranchée. Comment ils peuvent m'attaquer en terrain découvert? Non, c'est. Ils vont attaquer les murs. Ouais. Voilà. Bon, alors j'ai peut-être une chance. J'ai même une. Ouais. Ouais, leur cavalerie peut pas passer les portes. Tout va jouer sur mes tirailleurs, enfin mes lanciers. C'est pas perdu. Dommage que j'avais plus d'espions pour affaiblir leur armée. Mais bon, tant pis. Hein. Les torques d'or vont. Même si je perds la ville, ils vont morfler. Un bon général doit faire preuve de prudence et de réflexion. Tacite, historien romain. Ça, c'est vrai.
Alors, dommage que ma flotte, que j'ai 94 hommes, les unités sont pas toutes fraîches. Bon. Le truc, heureusement, ils ont pas d'armes de siège déjà. C'est déjà ça. Alors, ils se présentent là-haut. Ok. Soyez vigilants. Voilà. On va en mettre d'autres là. Au poste d'observation. Tirailleurs. C'est fait. Guerriers sont assoiffés du sang. Par contre. Je vais mettre des armées en arrière parce que comme ça je vais savoir où ils vont se mettre. Ah, vous voulez pas vous placer. Soyez vous allez sur là pour l'instant. Corps, guerrier, parez. Ah mince. Bah non, vous allez là aussi. Ça m'arrange qu'ils ont pas d'armes de siège. Et vous. Vous pouvez pas aller là. Voilà. Forcément, je peux pas les foutre là. Donc. Ils vont aller là. Les lanciers. Ça, c'est un truc bien relou. Ils vont aller comme ça. Et les derniers, ils vont aller là. Ouais, super. J'aime bien les mecs qui peuvent pas se mettre comme ça. Non. Ouh, vous allez m'énerver, vous. Bon, tant pis. On commence. Mince, j'ai mes navires là-haut. Je vais zapper. Allez hop. Vous allez aller par là. En colère et amusez-vous. Nous n'avons nulle part où fuir. Alors ne le laissez pas. Il est bon, général. J'espère que vous avez dit adieu à vos. Désordre. Tirailleurs. On va vous mettre enflammé. Brandeur. Bon, allez, j'ai une grande chance de réussir. Si je détruis leur putain d'escalier là, d'échelle, ils seront complètement bloqués. C'est pas perdu. Donc, juste que j'arrive à brûler leur. Ah, c'est qui tire, c'est ça. Dommage qu'on peut pas dire à la tour attaque. Attaque. Je sais pas ce qu'elle attaque la tour en fait. Attaque les mecs, ok. Nous sommes des Gaulois. Vite, rechargez. Goal. Rechargez maintenant. Certes. Guerrier de la Gaule. Plus vite, rechargez. Grandeur! Que sommes-nous, mes frères? Allez, cramez-les! Sanglier, Gaulois! Ça prend feu, ils sont obligés de les tourner. Tirailleurs! Fils de la Gaule! Fais! Rechargez maintenant! Celte! Guerriers Gaulois! Tirailleurs! Fais! Plus vite! Rechargez! Voilà. Membre de tribu! On y va! Tirailleurs!
d'accord. Guerriers sont assoiffés de sang. Allez, maniez-vous là, vous vous foutez, vous. Punaise. La victoire, cherchez. Nous sommes des Gaulois. En avant, parlez. Tirailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Prêt pour la bataille. Maintenant. Désordre. Il peut pas faire de pouvoir. C'est un peu le bordel, hein, je vous le dis là. Pourquoi ils sont bloqués eux? Ah. C'est quoi ça? Ok, j'adore le magnifique bug. La caméra de... C'est pas encore ça. Hein. Allez, m'attaquez-moi ça. Parez au combat et impatient. Zeld. Partout à 10. Tirailleurs. Maintenant. Ah, ça y est, ils sont en train de se barrer. Infanterie! Allons-y! Défendre! Maintenant! Et eux, c'est pareil. Ça rame un peu quand même, hein, c'est bizarre. Non. Ah! Le mec est tombé. Allez, moi, tiens-moi dessus. Ça doit être tellement. Désordre. Nous les tuerons tous. Très bien. Ah, mais qu'est-ce que vous me foutez? Oh là 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 là. Ça a du mal, hein. Oh, j'y fout. Ok, c'est la cavalerie. Qui ne peut rien faire. Lanciers parés au combat. Tirailleurs. Bon, vous. Garde. Vous allez là. Guerriers de la Gaule. Guerriers parés. Guerriers, après-moi. Tirailleurs. Ça, c'est le bordel, j'arrive pas à savoir où sont mes persos. Vous avez nos lances. Seul. Tirailleurs, prêts pour la bataille. C'est guerrier, bougez. Ah, vous avez plus de lance. Ok. Bah. Lancier. Oh. On se bouge. Guerrier, barré. C'est là, vous. Membre de tribu. Tirailleurs. Vous pouvez encore tirer. Allez me cramer ces mecs. Vous allez rester en arrière. Non 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 non. Je veux pas que vous allez ici. Là. N'importe quoi. Quoi? Ils sont coûteux. Non. On y va.
Il m'ouvre la porte, c'est con. Tu es débile, tu meurs. Ici, elle est là. Fermez-moi cette putain de porte. Vous pouvez tirer, vous? Ou il vous faut un truc spécial? Ils sont en train de se faire laminer, les pauvres. Enfin, les pauvres. Zelda, ouais, c'est putain de troupe là. Navire d'assaut au rapport. Ah. J'allais dire, ils fuient. Non, c'est leurs armées qui reculent. Il y en a une qui fuit par contre. Moi ça va être tendu hein. Infanterie guerrière. Ça va être tendu. Membre de tribu, suivez-moi. Guerrier, bougez. Je vais les débarquer au dernier moment, oui, pour qu'ils arrivent dans leur dos. Allez là. La porte est cassée. Ah, ils arrivent. Ils ont plus rien, donc... Très bien. Rondor. Tirailleur. Guerrier, lance, projectile. Visez-le tous. Tirailleur. Nous leur perceront le cœur. Ah, ils ont plus rien aussi, putain, merde. Sanglier gaulois. Tirailleur. Projectile mortel, paré. Ouh là là, ça va être tendu. Oh mon dieu, toutes les armées qui se ramènent. Sanglier, prépare la bataille. Touchez-les. Zer. Rondor. Tirailleur. Faites fait. Zer. Guerrier gaulois. Eh ben ça s'avance pas si bien que je le pensais. Guerrier, après moi! Prêt pour la bataille! Allons-y! On dans le temps. Allez, maniez-vous là, les autres là. Tirailleurs! Vous avez plus rien à tirer? Messieurs, courez. Oh putain. Ah, il y a déjà des armées. Elle est dans le dos. Hop là. Tirailleurs. Nous leur percerons le cœur.
Tirailleurs! Saignez-les! Vous avez nos lances! Voilà. Nous sommes des Gaulois! Certes! Oula, oula, j'ai une grosse perte. Tout d'accord! Prêt pour la bataille! Au poste d'observation! Nous leur percerons le cœur! Marque ta fiche! Unité en relais! C'est bon, allez m'attaquer ça maintenant. Tuez! Désordre! Ouh, c'est tendu! Oh punaise! Ah ça y est, s'enfuit tous là. Projectile mortel paraît! Visez! Homme libre en relais! Combattant de mêlée paraît! La victoire pour la colle! Très bien! Guerrier! Sommes-nous des frères? Chers! Nos lances sont vôtres! Fauchez-les! À vos ordres! Ah ouais, d'ailleurs, guerrier fidèle, je comprends pourquoi tout le monde a peur. Là. Les mecs, ils sont en train de. Les guerriers sont assoiffés de sang! La bataille! Que sommes-nous, mes frères? Unité en relais! Très bien! War Commandant! Je vais me faire laminer par ces putains de tirailleurs. Par ces putains. Oh mon dieu! Du d'accord! Si vous le dites! Oh là 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 là! Ils sont invincibles. Ouais, bah en même temps, ils sont 145. Infanterie, je vais mourir à cause des putains de. Visez. Allez là, tirez-moi là-dessus! Qu'est-ce qu'on dit? Homme libre en relais! Compris! Oh mon dieu, j'ai perdu. J'y crois pas. Ça, j'y crois pas, ça. C'est impossible. Tirailleurs! Guerriers, bougez! Guerriers armés des projectiles! Voilà, j'ai perdu en 2 secondes grâce aux guerriers fidèles. Vous imaginez une de ces unités ce qu'elle peut faire? J'étais en train de gagner. Et d'un seul coup, hop. Enfoiré. Je vais devoir récupérer la ville et je vais devoir l'assiéger encore. Puis ils sont 60, 140, tu m'étonnes. Tant pis, jusqu'au dernier, hein, je leur fais le plus de pertes possible, je m'en fous. Regardez-moi le champ de bataille. Il y a des cadavres partout. Voilà, j'ai perdu. Oh là là, un guerrier fidèle, ils ont repris la ville. C'est magnifique, je m'en doutais en plus. Eh ben mon pote. Défaite honorable, tu m'étonnes. J'avais fait perdre 1587 hommes quand même. Ouh, ça leur a fait mal. Hein. Mais ça m'a fait mal aussi. Regardez les guerriers fidèles, 466 morts. C'est à eux seuls, ils ont détruit toute mon armée. Voyons. Bon, bah, je vais envoyer mon armée du nord, hein, on va reprendre la ville.
Ils m'ont fait chier les vivisques. Allez, mine-toi le chargement. Bon, je ramène l'armée des... Non, je ramène pas l'armée de Toulouse, je vais la garder là, je vais ramener l'armée du Nord. Les autres attendront, de toute façon, ils sont... l'armée a été amoindrie, donc c'est plus vraiment une menace. Ah, ils ont foiré, quoi. Ils vont mettre du temps avant de refaire leur armée et l'organiser. Ça m'énerve ça. Vainqueur. Oui, merci. Ok, intrigue politique. Bon, on va voir ça après. Ah, si, je pourrais. Je pourrais carrément la récupérer. Ma réputation parle pour elle-même. Est-ce que tu peux m'assassiner ce mec-là ou me le manipuler? Je ne suis pas subtil comme vous dites, mais. Vous voyez, tout va bien. Essaie propice. Ok, tu sers à rien. Toi. Cole est notre mère à tous. Oui. Je vais juste mettre ça là. Merci. C'est fait. Voilà, là c'est une armée de merde qui a été gagnée un rang. Donc. Ah, je t'ai pas mis ça en plus. Et on va prendre ça. Alors, si je fais ça, ça va être trop loin. Honorez les dieux et vos ancêtres. Et lui, je crois qu'il sera assez près. Bon, allez, on tente. Laissons le battre en retraite devant nous. C'est quoi tout ça? C'est rien. Ok. Ok, bon, je vais la faire en automatique, hein, parce que j'ai pas envie de m'emmerder à la refaire, c'est super long, donc... Tiens. Ça t'apprendra, ça. Voilà. Et on l'occupe. Merci. Ils ont le temps de rien changer, c'est good. Ouais. Et on va prendre général. Ils apprendront à me craindre. Pour une menace. Assassinat. 50. Manipulation. 58. Ce sera notre homme quand j'en aurai terminé avec lui. J'ai un troisième champion. Les craignant la mort, l'ennemi en a sa cause. Et hop, j'ai un troisième champion. Ça c'est très bien. Par contre là c'est chaud parce que Toulouse va falloir que je ramène une armée. Eux, bah, il ne reste plus rien, ils vont crever. Soif de bataille. Alors, maintenant. Ouh là là. Ouh.
Bon, qu'est-ce qui se passe là? Une femme de notre famille accusée de sorcellerie, son arrivée a ressenti à marquer le début d'une terrible sécheresse et le peuple la craint ainsi que ses pouvoirs. Quelqu'un de la famille, on va l'éloigner. Je suis en guerre avec les Volsk, ok. Alliés défensifs, les Vic Picton. Ouais, je voulais voir aussi ça, tiens. Ça c'est fait. Forger une alliance défensive ou militaire avec la session suivante. Sekan. Mince. Les Sekan. Alors c'est qui? Faites-moi part de votre sagesse. Ok. Mais prendrez-vous tout d'abord une coupe de vin. Ils veulent pas une alliance défensive. J'ai pas d'argent. Donc on verra ça plus tard. J'ai plus d'argent, hein. Tout est parti dans... Et eux, est-ce qu'ils veulent faire encore du commerce? Mon ami, cette fois-ci, soyez le bienvenu. Les esprits... Non. Oh, ils sont chiants. Les Trévires, est-ce que vous voulez faire du commerce? Salut à vous. Je suis sûr que vous venez porter des mots en plus. Et les Galliers, si... Nous écouterons volontiers vos offres, ah. Mais ne les... Ils veulent pas. D'accord. Je ne crois pas. C'est ça, c'est bien. Ok, bon. Ok, bon. Donc il n'y a plus d'armée là-haut. Si je perds mes alliés, c'est pas bon du tout. Je vis pour servir ah, le peuple de Gaulle. Parce que ils sont quand même en supériorité numérique. Attendez-moi ça. Qu'est-ce qu'ils font eux? Puis. Prêt pour vos ordres. Oui, déclarer la guerre, allez. Mes alliés sont déjà en guerre contre eux. Hop là, embuscade. Bon, allez, on va la faire celle-là. Ça va être marrant. C'est cool. Je préfère prendre embuscade. Les autres ils peuvent pas venir en renfort parce qu'ils sont en train de piller les routes. Ah, c'est bien ça. La fortune favorise les audacieux. Terence, dramaturge romain, 195-159 avant Jésus-Christ. Alors, dommage que j'ai pas d'arme de siège et j'ai pas plus de cavalerie. Alors, vraiment, je remets ça à la cavalerie. Eux, ils ont une arme de siège. Par contre, ils ont presque. Ils ont que deux unités de tirailleurs. Ok. Je vais faire deux unités de chaque côté. On les prend en tenaille. Alors, est-ce que on... Ah oui, ils apparaissent là, donc... Ah bah, ils sont là. Coucou. Je trouve ça excellent, moi, là. Par contre, c'est pas un terrain très... Enfin, c'est un terrain à découvert. Vous allez là. Maintenez la position. Ouais, comme ça. Toi. Comme ça. Ensuite, derrière, on va vous mettre... Non, pourquoi je m'emmerde à les mettre en premier rang? Ça sert à rien, ils vont se faire laminer. Vous allez aller comme ça.
dis comme ça. Voilà. Restez groupés. Ensuite. Réfléchissons. Ouais, je vais mettre tout ça d'un côté. Tous les autres de l'autre. Côté. Où il aura un putain d'arme de siège là. Elles sont là, j'ai envoyé la cavalerie dessus. Restez là où je vous mets. Vous allez aller de ce côté. Restez groupés. Ça c'est le général. Le général, je vais le mettre là. Il va devoir s'occuper des ordres de siège. C'est quoi ça? Frondeur, frondeur. Ouais, bon. Voilà. Bon. Projectile mortel, paraît. Frondeur. C'est quoi ça? C'est les frondeurs. Projectile, unité de jeûne. On commence et pause. Et merci. Donc toi tu vas tirer sur ça. Toi. Hop 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 hop. C'est le plus dangereux. Tu vas tirer sur ça. Toi t'attendras qu'ils arrivent au corps à corps. Toi, tu fonces sur ça. Et toi, tu fonces sur ça. Ensuite, ça va faire hop. Non. Hop. Hop. Et. Non. Hop. Donc. D'accord, je peux pas vous régler ça. Toi, tu vas aller sur ça. Tu vas aller ouais, sur les mercenaires. C'est des vilains pas beaux les mercenaires. Et toi aussi. À la charge. Qu'est-ce que vous foutez? Vous tirez pas? Si, vous tirez. Oh, ça mitraille là. Allez. Nous voyons ce qui se passe.
La mêlée générale. Ah bah ils auront pas fait long feu. Bon bah voilà. C'était rapide. Une victoire décisive, tu m'étonnes. Ça a duré 47 secondes. J'ai tué 1000 hommes en 47 secondes. Ah bah là, on peut dire que c'était une belle victoire. Hein. C'est les mercenaires qui ont fait le plus de mal chez moi. Enfin, chez eux plutôt. Et moi, c'est ma cavalerie. Et mes hommes. Mes épéistes. Ils ont fait très mal, mes épéistes. C'est bien, ils ont chargé du bon. Ils ont attaqué du bon côté. Pour la fois que j'ai une bataille qui dure aussi, qui ne dure pas aussi longtemps. Qui est très courte. J'ai eu 189 hommes tués. En plus, il y en a certains qui ont été tués par mes hommes. Et heureusement que leurs balistes n'ont pas eu le temps de tirer. C'est cool. On n'a plus qu'à s'occuper de l'autre armée et je vais pouvoir aller attaquer leur ville assez facilement. Vu que c'était ils avaient deux armées, c'était leur armée de réserve qu'ils ont envoyée. J'adore les embuscades, je trouve ça énorme. Et contre les Romains, c'est. Quand c'est dans une cuvette planquée dans les forêts, c'est énorme avec les boules enflammées. Prêt pour la bataille. Ah ouais. Donc on va faire. On va faire ça. Comme ça, je vais pouvoir me déplacer beaucoup plus loin. Tous guerriers. Je me demande si j'en profite pas pour les attaquer. Tuez. Ah, c'est parti. Pourchez-les tous. D'accord. Il y a beaucoup de guerriers celtes. Hein. Ça va être la fin de l'épisode, donc je vais faire cette. Est-ce que je fais cette bataille automatique ou je la fais plus tard? Bon, allez, je voulais. Pour la vidéo, je la ferai plus tard. Donc 1478 contre 2051. Ouais, donc j'ai une grosse chance de gagner. Voilà, je vais sauvegarder. Hop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Donc j'ai perdu Burning Gala, je l'ai repris. J'ai fait une embuscade. Pas eu grand chose. Mais bon, c'est un petit épisode de transition. Prochaine fois, je vais assiéger la ville des. Je me rappelle même plus comment il s'appelle. Enfin bref. Je vais assiéger leur ville. Et comme ça, je vais pouvoir essayer de créer la confédération enfin, parce que j'aurai plus d'ennemis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez un petit like, un commentaire.
Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.